90 ans après sa disparition, un bateau réapparaît au triangle des Bermudes. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Rien. Maintenant tu t'abonnes, tu cliques ici, tu mets la petite cloche, tu mets le pouce, ok? Et oublie pas de mettre le petit commentaire, d'accord? 90 ans après sa disparition, un bateau réapparaît au triangle des Bermudes. La garde côtière cubaine a intercepté un navire sans capitaine à bord et qui est présumé être le SS Cotopaxi. Le navire avait été porté disparu en décembre 1925. Le navire a été repéré. Le navire a été repéré pour la première fois au large d'une zone militaire interdite, à l'ouest de La Havane. De nombreuses tentatives de communication infructueuses ont été tentées avec l'équipage et ont mobilisé 3 navires de patrouille pour l'intercepter. 1. Une fois le navire rejoint, ils ont été surpris de constater que le navire était en fait un bateau vieux de 100 ans immatriculé en tant que le Cotopaxi, un nom célèbre associé à la légende du triangle des Bermudes. Il n'y avait personne à bord et le navire semblait être abandonné depuis des décennies, ce qui suggère que cela pourrait bien être le cargo Tramp qui a disparu en 1925. Suite à de grandes recherches à bord du navire, cela a conduit à la découverte du journal de bord du capitaine. Il a été, en effet, associé à la C.T. à la compagnie de navigation Clinchfield, les propriétaires du SS Cotopaxi, mais aucune information concernant ce qui est arrivé à bord du navire au cours des 90 dernières années. L'expert cubain, Rodolfo Cruz Salvador, estime que le journal de bord capitaine est authentique. En effet, celui-ci contient des informations concernant la vie à bord de l'équipage avant la disparition du navire, mais les entrées s'arrêtent brusquement le 1er décembre 1925. Le 29 novembre 1925, le SS Cotopaxi a quitté Charleston, en C. en Caroline du Sud et est en route vers La Havane, Cuba. Le navire avait un équipage de 32 marins, sous les ordres du capitaine W.J. Meyer, et transportait un cargo de 2340 tonnes de charbon. Il a été porté disparu 2 jours plus tard et n'a plus jamais été revu durant ces 90 dernières années. Le triangle des Bermudes est une région difficile à définir entre Miami, Puerto Rico et les Bermudes, où des dizaines de navires et avions ont disparu sans laisser aucune trace. La culture populaire a attribué les plusieurs disparitions à un phénomène paranormal ou surnaturel, ou à l'activité de vaisseaux extraterrestres. La mystérieuse réapparition du SS Cotopaxi a déjà généré beaucoup d'intérêt au sein de la communauté scientifique, le débat est ouvert.